En direct sur Agora Web TV, nous recevons maintenant les Folies, Séverine, la présidente, Lise Marie, la couturière, et Maïté, l'animatrice. Alors Séverine, en quelle année a été créée les Folies ? Donc les Folies ont été créées au mois de février 96. Donc on a fêté nos 10 ans de l'association l'année dernière. C'est une association de danse moderne, jazz, cabaret, French cancan. On essaye d'évoluer un petit peu dans différents styles de danse. On accueille les enfants à partir de 7 ans jusqu'à l'âge adulte. Et voilà, les cours sont dispensés toutes les semaines par des animatrices toutes bénévoles qui donnent de leur temps personnel pour pouvoir encadrer les différents groupes. Ce sont combien d'adhérents aux Folies ? Il y a environ entre 200 et 250 adhérents par année. C'est des groupes d'environ 25, donc il y a des cours qui sont dispensés tous les jours de la semaine. C'est aussi un encadrement, les Folies. Combien êtes-vous de bénévoles pour encadrer ces 250 personnes ? Alors, on a 8 animatrices. Qui encadrent les cours. On a 13 membres du bureau donc qui m'entourent pour les différents événements qui ont lieu durant l'année. Et après, des bénévoles qui ne font pas forcément partie du bureau, c'est-à-dire les conjoints, les amis qui sont là à nos côtés toujours pour soutenir notre équipe. Parmi les animatrices, il y a Maïté. Maïté, dites-nous un peu, quel est votre rôle ? Donc en fait, mon rôle, c'est d'encadrer un groupe de danse. Donc pour ma part, en fait, je m'occupe des 16-18 ans. Donc avec les autres animatrices, en fait, on encadre des groupes tous les jours de la semaine et ce sont des cours d'une heure et demie. Lise Marie, dites-nous, quel est votre rôle dans cette formidable entreprise que sont les Folies ? Moi, je suis là pour confectionner les costumes des petites filles et des grandes aussi, oui. Je fais à peu près 600 costumes par an. 600 costumes par an ? Oui. Prochain événement pour les Folies, cette année, au mois de juin ? Oui. Donc cette année, en fait, on fait des galas uniquement tous les deux ans, parce que comme on est beaucoup d'adhérents, qu'il y a beaucoup de costumes à faire, pas mal de mises en scène aussi à prévoir, on fait un gala que tous les deux ans. Donc cette année, ce sera une démonstration, simplement des différentes chorégraphies. Pour chaque groupe, on aura également des costumes et ça aura lieu le samedi 16 juin à 19h30 à la salle des fêtes de Saint-Laurent. Voilà, merci de votre visite, bonne continuation.